Thank you.
Personnage que nous honorons aujourd'hui nous était compté. Fils du catéchète Timothée Timon Tsasa Kiboba Kimavambu et de son épouse Léonie Eladioni Mbonga Luvungu, Joseph Safat est né le 10 septembre 1937 à Ngombi, dans le Mayombe, au Congo central. Il était le second des trois frères et deux sœurs, les cinq seuls enfants rescapés d'une grande fratrie ayant dépassé le seuil de la petite enfance. À l'issue de très brillantes études à l'école normale, il devint enseignant. Mais très ambitieux, il rejoignit Kinshasa peu avant l'indépendance et s'inscrivit à l'ENDA avant d'entreprendre diverses formations en administration, gestion et comptabilité. D'abord secrétaire communal de Dendal, ensuite plusieurs fois directeur de société, dont Afripin, Galic, Zahir Peinture et Penaza. L'honorable Joseph Rodolphe Sassansassi Kiboba Loutia, en bon patriote, a servi ce pays, son pays, comme conseiller de zone de Leba, président du conseil de zone de Mongafula, membre de l'Assemblée régionale de Kinshasa, c'est-à-dire député provincial, et enfin conseiller de la République au sein du HCRPT, Parlement des transitions, c'est-à-dire député national. Chrétien très pratiquant, laïque protestant du Milapro, inspecteur général des coopératives COPEC CEAC, conseiller à la SOCREP, il avait retrouvé sa passion de jeunesse en enseignant le français à Toronto pendant son séjour d'une dizaine d'années en sol nord-américain.
avec bravoure, mais surtout avec abnégation, notre cher patriarche a longuement lutté contre la maladie qui le rongeait depuis belle lurette, avant de tirer dignement sa révérence dans la nuit du 20 octobre dernier. Il était veuf, père de ses enfants, grand-père et arrière-grand-père. Ainsi s'achève le premier volet de mon intervention. Voici le deuxième. Que valent de vibrants hommages comme ceux que nous rendons aujourd'hui à un mort s'il n'a jamais entendu des mots gentils de son vivant? Et toutes ces fleurs flamboyantes surplombant son cercueil, si le moindre sourire ne lui a jamais été adressé? Et tous ces pleurs chagrinés, si aucune main chaleureuse ne lui a jamais été tendue? Alors, sachons nous apprécier vivants avant que la mort n'anéantisse tout espoir. Et maintenant, vous me permettriez d'adresser au nom de vous tous quelques mots à celui que nous appelions très affectueusement, selon nos affinités, Joski De Soto, fils de Diamant, grand-père, oncle, vieux, papa, papa Kouloutou, papa Sassa, vieux S, S1, président Mopreso, Mouta Sassa, Pépé, à Pépé Coco, son crépin, mon ami Ndoyi, honorable, autorité morale, et enfin ce qu'il chérissait le plus, être appelé patriarche. Patriarche. Après la disparition inopinée de Maman Kouloutou, ta grande sœur chérie, Maman Leki, père femme, a pris le relais. Vous étiez trois S, S1, S2 et S3. Les deux premiers, S2, Sadiol, est parti il y a quelques années, et maintenant c'est à toi, S1, de nous fausser compagnie. Heureusement que Munganga Sakris, S3, est le dernier à rester debout. Et les deux, c'est-à-dire père-femme et S3, garderont le temple Nkangu Kibuba. Patriarche, merci d'avoir attendu plus de 4 ans après le départ de Matriarche. Patriarche, des vertus te tenaient à cœur. La foi chrétienne, la primauté de la famille, le sens du devoir, l'excellence, la fierté et la responsabilité. Nous promettons solennellement de les perpétuer. Et finalement, tu avais un franc-parler. Ce franc-parler légendaire restera à jamais ta marque déposée. Je suis sûr que chacun de nous garde une anecdote pour Patriarche. Et ces anecdotes te survivront. Pour toi, qu'est-ce qu'est ta famille? Ta famille regroupe autant tes frères et sœurs, tes cousins et cousines, tes beaux-frères et belles-sœurs, tes enfants, tes petits-enfants, tes arrière-petits-enfants, tes neveux et nièces, tes belles familles, tes collègues de travail, tes amis et connaissances. C'est cette grande famille ici présente et en recueillement
à travers le monde qui te pleure et te rend hommage. Patriarche, tu es unique, irremplaçable, notre papa chéri. Tu resteras toujours présent parmi nous. Merci pour tout. Tu as fait de nous ce que nous sommes. Nous sommes autant fiers de toi que tu l'es de nous. Mais le souverain éternel, Dieu a donné, Dieu a repris. Gloire soit rendue à l'éternel, que l'âme de notre illustre patriarche repose en paix auprès du trône. Je vous remercie. Thank you.
Thank you.
Thank you.